Thank you.
Aujourd'hui, face à une équipe en bas de classement, on se contente aujourd'hui de partout. C'est compliqué. Pour moi, c'est une grosse contre-performance. C'est deux points perdus. Quand on joue contre une équipe du bas de tableau, qu'on a les prétentions de vouloir jouer les premiers rôles, c'est deux points perdus. Donc on laisse des points contre les premiers, mais là, c'est une grosse performance. C'est une performance individuelle et collective. Il n'y a pas grand-chose à retirer de positif de ce match. Je suis très déçu du comportement, de l'attitude, de l'état d'esprit des joueurs. Il ne faut pas se cacher derrière les absences. L'absence, les blessés, les suspendus, ça fait partie du match. Le fait que Martin et Rémi ne soient pas là aujourd'hui, est-ce que ce sont des joueurs compétents, est-ce que ça fait du mal à l'équipe ce soir? Martin, Rémi, Kenny aussi. Oui, bien sûr, quand c'est des joueurs cadres comme Martin, comme Rémi Cilia, comme Kenny Moulet, qui sont titulaires depuis la saison, c'est vrai. C'est vrai que ça, quand on perd des joueurs comme ça, c'est bien sûr. Mais ce n'est pas une excuse suffisante. Il y avait des joueurs sur le terrain qui ont les prétentions d'être titulaires, donc à eux de montrer quand ils sont là. Ce soir, ils n'ont peut-être pas sucer leur champ, mais bon, ça fait partie d'une saison. Moi, je suis gêné par le comportement, par l'attitude. On n'a pas été généreux, on a fait trop d'erreurs, on prend deux buts, alors que jusqu'à maintenant, on avait la meilleure défense du groupe, on prend deux buts bêtes. Donc voilà, ce soir, on n'a pas été à la hauteur de nos ambitions.